Marie-Josée Baudin et Denis Parmin se retrouvent pour aborder le sujet de la création artistique par des résidents en EHPAD. Quand l'art-thérapie et la poésie se rencontrent, la générosité est au rendez-vous. Intéressant, moi ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir rencontré dans cette exposition dans un EHPAD. Oui, alors ce jeudi dernier, au Normandie Cottage, je suis venu à une exposition de peinture. Et poésie, peinture, commence par la même lettre. On anime des ateliers avec de la peinture, du collage, des couleurs, des formes, et s'expriment comme ça. Donc que ce soit peinture, poésie, je leur laisse libre cours à leur imagination. Tous les mots qui partent à la volée, je recueille tout ce qui se dit, et ensuite on commence ensemble à faire une poésie. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des projets pour aller, par exemple, déclamer cette poésie, la dire, la publier? Oui, alors déjà, elle est publiée, grâce à toi, et je t'en remercie, dans la Feuillue. Oui, ça, c'est rien. C'est déjà c'est extraordinaire. Voilà, c'est une petite goutte d'eau dans la forêt. Voilà, c'est aussi ma volonté, c'est de sortir les œuvres des résidents des EHPAD à l'extérieur. Et puis, on profite tous les ans du Printemps des Poètes. C'était une volonté de la part de la direction et de l'équipe animatrice de faire sortir les poésies à l'extérieur de la résidence à l'occasion du Printemps des Poètes. C'était sur le thème du désir et nous avons fait une sortie avec les résidents, leurs poésies, que nous avons distribuées dans les commerces de la rue principale de Mandres-les-Roses. Et certains résidents ont déclamé leurs poésies. Dans les commerces, aux gens qui passaient. Et puis nous avons distribué dans la rue les poèmes, de façon à partager la poésie et tout ce qui se fait en EHPAD. Sur le thème du désir, le poème qui a été lu chez les commerçants, le poème de Madeleine Perraudin, il finissait par « J'aimerais tant la veille plutôt que le lendemain ». Un pinceau, un stylo, un souvenir, lointain ou non, des images ou des mots qui proviennent du cœur. Autant d'initiatives pour aider à se retrouver.